Salut, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle saison, première saison en fait, de la nouvelle version de Argus Wine Minecraft. Donc comme vous voyez, beaucoup de changements là, présentement il semblerait qu'on ait atterri dans une sorte de forêt de sapins, donc en fait on doit être dans un biome taïga si je ne me trompe. Ouais, il semblerait que ça se vérifie. Donc voilà, nouvelle saison de Ark versus White Minecraft. Comme je l'avais dit, hein, je reprends tout à zéro. Donc oui, c'est bien biome taïga. Donc comme vous pouvez voir, nouvelle façon de filmer. Hein. Là, j'utilise le non pas le Swartex, mais le Sfax. Un design un peu plus cartoon avec les shaders quand même, comme vous pouvez le constater. On va tout de suite faire un peu le tour, essayer de prendre une meilleure position. Bon, on a quand même, on récupère en passant des choses. Donc toujours le même concept, on est en hardcore difficile. Les règles, elles sont toutes simples. Juste le temps de remettre les mains dessus et automatiquement... Non, je me suis trompé. Excusez-moi, ça commence sur les chapeaux de roue. Hein. J'essaye de faire les choses en même temps, ce qui n'est pas aisé. Donc, ouais, nouvelle saison et donc premier épisode où on va essayer de trouver quand même quelques denrées de première nécessité. Notamment, faudrait peut-être pas que je tarde pour tout ce qui est bois. Alors, concernant les règles. Donc comme pour la saison précédente qui maintenant n'existe plus, puisque c'est celle-ci qui va être la première saison, la surface, donc la première règle c'est la surface de jeu où nous évoluerons sera définie dès le début du jeu par le périmètre de l'environnement dans lequel nous serons largués par l'hélicoptère, donc une plaine, une forêt, une colline, ici présentement ce sera la taïga. Deux, exceptionnellement, l'on peut s'aventurer dans un environnement adjacent si c'est pour finir un combat avec un mob hostile ou pour achever une proie. Mais seulement si ces deux faits ont été initiés dans l'environnement d'origine à la base. Il est interdit de creuser sa propre mine. On ne peut creuser au-delà de 5 cubes dans chaque sens. On peut exploiter les grottes, les failles, les mineshafts, les villes pour survivre dès lors qu'ils sont situés dans l'environnement de base du jeu. L'on ne peut construire de cabanes, de maisons, de châteaux ou autres pour s'abriter. L'on peut toutefois aménager certains lieux comme les grottes, les failles, les mineshafts et les villages dès lors qu'ils se situent dans l'environnement d'origine. Pas de lit, les phases de nuit doivent être vécues et si possible à la belle étoile. Les enchantements sont interdits, tout comme les drops enchantés des mobs le sont aussi. Les torches, bref, tous les dispositifs d'éclairage doivent être utilisés avec modération, donc seulement pour éclairer ou signaler, mais pas pour empêcher le spawn sur la zone de l'environnement d'origine. Donc ici, je le rappelle, c'est la taïga. Tout ennemi vu est un ennemi à engager, dès lors que le combat n'est pas du suicide. À vous de trouver l'angle d'attaque ou de résistance. Enfin, afin de clôturer une saison, Ark versus Wild Minecraft, il faut tenir jusqu'au 15e épisode. Chaque épisode fera 20 minutes. Seul l'épisode numéro 1 fera un peu plus du fait de son introduction présentant les règles de la saison. Donc voilà, les règles sont rappelées. Là, j'en profite en même temps pour récupérer tout ce qu'il me faut. Donc voilà, on a commencé à faire notre outillage. Et automatiquement, là on va essayer de faire un four, parce que faut qu'assez vite j'arrive à faire du charbon pour, comment dire, pour l'éclairage, parce que sinon vous allez rien voir. Donc voilà, on va y arriver, hop, donc oui, il faut que je pose la table, que je fasse le four.
Non, le four, c'est les... Voilà, c'est les pierres. Donc voilà, là on est en train de faire l'équipement de base. Hein. J'ai commencé avec simplement une épée et une pioche en bois parce que là on va passer directement à la roche. Donc ça servait à rien de refaire tout un équipement en bois si c'est pour perdre du bois quoi. Hop, voilà. Donc déjà là on est à l'âge de pierre. Assez vite, il va falloir aussi que je trouve du fer pour essayer de me faire une armure pour avoir une meilleure protection. Parce que en mode hardcore, les coups sont quand même assez lourds de conséquences. Donc voilà. Allez, on y va, on récupère ça. Et on va essayer de s'engouffrer un petit peu plus profond. Ah, j'ai oublié un truc. Que j'en aurai assez avec non je vais pas je vais sacrifier voilà l'épée on verra s'il y a besoin de sacrifier aussi la pioche en bois non il me semble pas je vais le retirer avant que ça consomme donc là c'est bon je peux faire mes premières torches je vais récupérer quand même le four voilà hop. Allez. Donc mes premières torches. Alors avec les shaders, ce qui est bien, c'est que quand vous avez une torche, en fait, ça éclaire. Vous voyez, on n'est pas obligé de la poser. Alors je regarde, parce que il va falloir que je commence à essayer de chercher du fer au plus vite. Donc là, j'ai... Ok. Hop. Ouais, non. Il faudrait que... Ouais. Pour, excusez-moi, hein, des fois j'oublierai un peu de poser une torche, mais c'est pas méchamment, simplement. Peut-être peut-être dans les nuages. Ok. Bon. On va user la pioche en bois dans un premier temps. Hop. Là, on récupère. Ah, je crois que j'en ai vu d'autres. Ouais, ici. Donc là, on récupère un maximum de choses. Par la suite, on pourra sélectionner un peu nos choix. Hop. C'est parti. Il y en a encore. Toujours stressant, c'est parti. Parce que sur un. Il suffit d'une seconde d'inattention pour qu'un creeper vous explose à la figure et vous tue. Je vous le rappelle, hein, on est en condition hardcore. Bon, je récupère ça. Hop, et allez, on est parti. Exploration continue. Il n'y a rien là. Donc, ah, c'est quoi ça? C'est de l'or ou c'est de là? Du fer. On va voir. On récupère pour l'instant tout ce qu'on peut. Il n'y en a que 4. Tant pis. Ouf, terre à faire gaffe. Un creeper est si vite arrivé. Voire une witch. Donc, hop. Hop. Allez, on récupère. C'est bon. On est parti. Ouf, ça va dans les deux sens, c'est pas bon. J'aime pas. Ici, en tout cas, c'est fini. On va condamner l'accès. Hop, désolé, le temps de condamner ce côté-là. Et on reprend les torches. Voilà. Bon, moi, je suis sûr que ça peut pas arriver de ce côté-là. Donc là. On voit un peu, je pense qu'avec l'ouverture on voit un peu, enfin j'espère pour vous. Donc là on récupère du charbon, parce qu'au début il en faut quand même pas mal. Hop. On va y arriver. C'est bon. Allez, 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 allez. Voilà, ici on récupère aussi. On essaye de laisser le moins de...
de choses derrière nous. Bon, j'espère que ça va pas. Ah, ça y est, c'est cassé. Donc là, il faut que je récupère mon autre pioche. Ouais, ça va quand même plus vite, hein. On voit la différence entre la pioche de bois et la pioche en pierre. Par la suite, si tout va bien, on en aura en fer. Mais pour l'instant, on galère parce que c'est le début. Ok. C'est bon. On n'y voit pratiquement plus rien. Ouf. Ouais, voilà. Hop, on avance. Ok. Donc par ici, il y a du charbon. Là, ici. Ouf, ça s'ouvre encore. D'accord, il y a encore une grotte en dessous en fait. Ah, c'est quand même une belle galerie, hein. Donc là par ici, ça mène où? Ok. Ah, ça redescend. Là, on va peut-être arriver à la galerie inférieure. Ah non, c'est fermé. Il n'y a rien. Donc ici, c'est un cul-de-sac. On va essayer de condamner au fur et à mesure pour être sûr de pas être pris à revers. Donc là, désolé, le temps que je pose les pierres, histoire de pas le regretter. Oula, c'est il y a quelque chose? Non, c'est bon, j'ai cru voir quelque chose bouger, mais non. Toujours stressant. Ces épisodes. Donc là, en fait, le but de cette série, hein, Ark vs Minecraft, c'est vraiment de la survie. Hein. C'est très survie. Faut savoir qu'on n'a qu'une vie et si jamais je meurs, en fait, je perds ce monde. Donc toute ma progression. On n'a pas le droit à l'erreur. Suffit d'une mort et tout repart à zéro. Hop. Enfin, du moins, on peut dire au revoir à ce monde-là. Allez, hop. Donc y a rien. C'est pour ça que des fois je suis hésitant et que vous me voyez mettre un petit peu de temps avant d'avancer. C'est que. Hop. Et on peut aussi aller par là. D'accord. Ouais, c'est hyper grand quand même. Ok. On y va. Je vais essayer de passer par là. En diagonale, les mobs ne montent pas, donc c'est un avantage pour nous. Nous, on peut monter en diagonale, pas les mobs. Donc là, le problème c'est que ça peut tomber de partout là. Donc ici aussi il y a une veine. On va remonter cette veine là en espérant trouver quelque chose. Il n'y a rien du tout. Comme dirait le jeu de mots, c'est pas ma veine. Donc là je repose, histoire de pas être pris. Voilà. Je suis désolé, vous voyez rien, mais c'est temporaire. Hop. Oula. Oh, ceux-là aussi, ils sont pas mal. Donc ça, c'est des bébés zombies. Ça me fait un peu de nourriture. Je vais récupérer tout de suite la torche. Ouf. Ok. Donc là, j'ai un squelette qui va arriver. Zut. Oula, ça y est, ça commence. D'accord, c'est bon, c'est géré. Ici, pas mal aussi, avec une épée. Ouf, y en a pas mal là. Ça va se calmer. Il m'a loupé avec sa flèche. La flèche est passée à travers. Enfin, tant mieux, mais c'est étonnant. Ok, là c'est condamné. On va continuer. Je me méfie quand même parce que ça a l'air de venir. J'espère qu'il n'y a pas un spawner. On va voir. Ouf, il y a encore un squelette, je crois. Non, un creeper. Ouh, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors les creepers sont. Enfin là, c'est parce qu'il était au loin, mais il m'a fait quand même quelques dégâts. Mais quand ils sont à côté de vous, ils peuvent vous tuer en une fois. Surtout que là, j'ai pas de protection. Donc il suffit d'une seule explosion et c'est terminé. Bon, je vais récupérer ce que je peux récupérer pour essayer de réparer. Si c'est possible.
Je vais m'engager là. C'est une araignée. Oh, creeper, encore. C'est pas vrai. Hop, allez, va-t'en, 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 va-t'en. Boum. Et allez, deuxième creeper. J'ai du mal encore à les gérer, cela. Pourtant, c'est pas faute d'essayer. Hein. Alors, hop, on va poser. Et on va s'engager. Ouais, viens par ici, toi. Hop, hop. Et voilà. Ça, c'est bon, c'est fait. Ça me fait un peu de fil. On pourra voir pour l'arc. Oula, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors, le problème, c'est que là, ça peut venir de trois lieux. Il y a les deux que je suis en train de surveiller et il y en a un derrière. C'est assez ouvert et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ah, bah d'accord. Bah, donc, c'est de là qu'ils viennent. Et allez. Il a bugué, lui. Ok. On s'amuse comme des fous. Hop, non, ça a l'air d'aller. Je récupère. On arrive petit à petit sur la fin du premier épisode. Pour l'instant, on n'est pas trop en veine. On a trouvé que 4 de fer. C'est pas grand-chose. Mais bon, on a déjà notre équipement de base, ce qui est déjà pas mal. Enfin. Pour ce qui est simplement des outils, il reste à trouver les protections. Faut que je pense à poser des fois quand même. Là, il y a l'air d'avoir rien du tout. Par ici, il y a du charbon. On est déjà dehors. Ok. Donc ici, il faudrait. Faudrait rien du tout, c'est vrai que c'est pas intéressant le charbon. Donc là, je suis venu de où? Faudrait que je condamne pour être sûr de pas être pris à revers. Donc là, on est bon. On va fermer ici. Allez. Y a rien, non. Ah si. Creeper. Allez hop. Deux. Et zut. Bon. Ben à la prochaine.